Le roi Mohamed VI a présidé ce mardi au Palais Royal de Rabat une séance de travail consacrée au secteur de l'habitat et de l'urbanisme. Au cours de cette réunion, la ministre de tutelle Fatema Zahra Al-Mansouri a présenté les grandes lignes d'un nouveau programme d'aide au logement qui s'inscrit en droite ligne de la volonté du souverain de renforcer la capacité des citoyens à accéder à un logement décent. Ce nouveau programme, qui s'étale sur la période 2024-2028, vise à renouveler l'approche d'aide à l'accès à la propriété et à venir en aide au pouvoir d'achat des ménages à travers une aide financière directe à l'acquéreur. Y sont éligibles les Marocains résidant au Maroc ou à l'étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n'ont jamais bénéficié d'une aide au logement.